de médecin. Mais j'ai dit le ministre de la Santé était là. En présence d'un médecin? Non. Qui n'est pas membre du gouvernement? Quoi? En présence d'un médecin qui n'est pas membre du gouvernement, c'est de compte? Non, je n'ai pas vu un médecin. Mais pourquoi c'est dans le camp qu'on va compter le nombre de morts? C'est là que les véhicules étaient venus. Et c'est là que quand le ministre est venu, il a demandé, il veut savoir, il y a combien de corps. En général, vous savez que dans cette affaire, il y a eu des portées disparues. Oui, vous le dites. Si, les rapports en font foi. Vous savez que dans cette affaire, il y a plusieurs Guinéens qui n'ont pas retrouvé les siens, qui n'ont même pas pu faire le deuil. C'est dans le dossier. Vous êtes policier. Vous n'êtes pas associé à ce carnage. Pourquoi vous êtes toujours parti jusqu'au camp pour assister à ce décompte? Au moins le ministre de la Sécurité, lui, les militaires. Comme l'a fait Bafoué, pourquoi vous n'alliez pas rester dans votre bureau et dire, bon, comme c'est l'armée qui a fait ça. Et les corps sont avec eux. Ils n'ont qu'à se débrouiller, surtout que vous n'avez joué aucun rôle protecteur. Pourquoi vous avez tenu à être au camp, à suivre tout ça? C'était pourquoi? Je ne vous ai pas dit que j'ai tenu à être au camp, comme vous le dites. J'ai dit, lorsque les corps ont été découverts, les informations sont parties. Et lorsque les camions sont venus, les corps ont été embarqués. Nous, on a suivi les corps. Normalement, ça devait être une destination à l'hôpital. Mais les camions se sont retrouvés là, au camp. Et c'est en ce moment que j'ai dit que personne ne touche. J'appelle le ministre qui a envoyé les camions. Mon général, pourquoi vous n'avez pas dit, moi je ne vais pas au camp pour compter des corps. Je ne vais pas au camp pour voir des corps. Je ne vais pas au camp pour ne pas être associé à ce qui a été fait. Ah, que c'est moi qui devais dire ça? Oui. Et pourquoi je vais le dire? Parce que vous étiez là pour le maintien, d'autres sont venus et vous ont ravivé la vedette. Il y a eu des morts d'hommes et vous suivez ces morts-là. Je vous ai rappelé, oui, de voir bien dans le code de procédure pénale. J'ai rappelé l'article. Vous voyez. Et quand il y a des trucs comme ça, voulez-vous que nous tous on fuit, qu'on abandonne tout ça là sur le terrain? Mon général, apparemment, vous n'avez joué aucun rôle. D'accord. Vous n'avez sauvé personne. Des questions. On est d'accord? Je ne peux pas vous le dire. Vous n'avez joué aucun rôle, vous n'avez sauvé personne, vous ou non? Sauver quoi? Vous, on peut conclure que votre mission a été quitter votre bureau, venir au stade, quitter le stade, oui ou non, accompagner les corps, aller faire le décompte et voir les corps partir. Ça a été tout votre rôle. Maintenant, qu'est-ce que je devais faire? Vous parlez de sauver. C'était des corps. Et il fallait les protéger. Imaginez-vous que ces corps-là soient abandonnés au stade là-bas le jour des faits. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous alliez dire? Mon général, est-ce que vous savez que même les morgues avaient été prises d'assaut par les militaires? Je ne le sais pas. Et le directeur national des services de police, oui ou non, il a le secret de l'État. Ce que je vous dis. Est-ce que vous savez que même les morts avaient été prises d'assaut? Non. Il y a une partie civile ici qui a déclaré qu'elle s'est déguisée pour voir le corps de sa maman. Ici, à cette barre. Et deux belges lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il a quitté. Ces corps-là, du camp à la morgue, vous vous étiez rassuré au moins que ces victimes-là pouvaient être sécurisées au moins avant qu'elles ne rejoignent leur dernière demeure, quand vous avez eu le temps de faire le décompte? Pour moi, c'est rassurant. Les conditions dans lesquelles les instructions ont été données, c'est rassurant. C'est quand on parle de propos contradictoires. Mais aujourd'hui, si vous incarnez une telle autorité et que vous preniez vos responsabilités de prendre les choses en charge, n'importe quel citoyen vous dira que c'est rassurant.
D'accord. Le tribunal appréciera. Parce que vous-même, vous avez reconnu ici que c'était des jeunes, des enfants. Bien sûr. À l'âge de la fleur. Bien sûr. Et vous n'avez pas ajouté que j'ai même coulé des larmes. Non, je l'ai dit. Venais, non, il fallait ajouter. Venais, il fallait j'ai ajouter. J'ai même versé des larmes. Ok. Mais ça s'est limité là. Mon général. Oui. Au moins, le jour du décompte, vous savez, il y a certains citoyens, quand ils se promènent, ils ont toujours une carte d'identité en poche. Certains ont des badges. En tout cas, les gens ont toujours quelques petits éléments sur eux qui peuvent les identifier. Est-ce que vous avez fouillé au moins ces corps-là pour faire une liste? Tel, c'est tel. Tel, c'est tel. Vous avez pu faire cela? Vous avez pu identifier les corps en dehors du comptage? Dans la pratique des faits, ce n'est pas comme ça sur le champ. Ce que vous dites là, c'est quand il s'agit d'un seul corps ou de deux. Mais quand c'est un tel effectif, c'est au niveau de la préparation des corps à la morgue, à, comment on appelle, au service de la médecine légale. Ce corps, on fait combien d'heures avec vous là-bas au camp Samori? J'ai dit... Ce corps, on fait combien d'heures? J'ai dit, nous sommes arrivés aux environs de 18h à 19h. Et quand le ministre est arrivé, l'instruction a été donnée. Encore une raison de plus, c'est au crépuscule que vous envoyez des corps dans un camp militaire. Mais est-ce que vous m'avez compris? Mon général. Oui. Ceux-là qui comptaient, ils n'ont vu aucun objet sur un seul corps qui pouvait l'identifier. Pour dire tel, c'est son nom, tel, c'est son quartier. Parce que les gens se promènent quand même avec une petite pièce d'identité. Ce n'est pas l'occasion de se mettre à fouiller les corps qui étaient là. D'accord. Vous savez que les gens là qui sont décédés, ils ne savaient pas qu'en venant au stade, ils allaient mourir. Ça, c'est sûr. Si quelqu'un savait qu'il allait mourir là, il ne serait pas venu. Vous savez que vous-même, vous n'étiez pas au courant que l'armée allait, enfin, les bérets rouges, hein, allait investir le stade et tirer. Nous n'étions pas au courant. D'accord. Bon, est-ce que vous avez une idée des forces communes? Non. Merci, Monsieur le Président.